passe dans le pays, accablé, l'estomac vide, exaspéré par la faim. On en vient à maudire et son roi et son dieu. On se retourne vers les cieux. Puis on regarde la terre et on ne voit que de détresse. Obscurité, sombre, oppression, nuit d'égarement. Mais il n'y aura plus d'obscurité pour celui qui était dans l'oppression. Dans le temps passé, le Seigneur a déshonoré la région de Zaboulon et celle de Neftali. Hein, tu peux allumer la bougie. Mais dans l'avenir, il mettra à l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Tu vois, Ambre, on a allumé la première bougie. Salutations à vous toutes et tous en ce premier jour de l'Avent. Bonne année à vous, chers amis. Vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être même vu, Jonas et Ambre viennent d'allumer pour nous la toute première bougie de la couronne de l'Avent. Ils ont marqué ainsi le début de ce conte à rebours vers Noël. C'est un temps où l'on se prépare à Noël, à cette fête de la naissance de Jésus. Mais l'Avent marque aussi le début de l'année liturgique. Eh oui, chers amis, alors, bonne année à vous toutes et tous. Bonne année. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que l'année soit belle pour vous. Il s'agit là de plusieurs manières de bénir la personne à laquelle nous le disons. Souhaiter la bonne année, c'est ainsi être le signe de bénédiction pour l'autre. Nous la souhaitons peut-être au début de l'année liturgique, peut-être en septembre, au début de l'année scolaire, certainement en janvier, au début de l'année civile. Mes chers amis, il y en a un qui nous bénit à chaque instant, un qui nous souhaite que notre bien, que nous choisissions la lumière, la vie, un qui nous accueille et nous accompagne jour après jour. C'est Dieu, le Seigneur de Jésus-Christ. Dieu, en quelque sorte, nous souhaite une bonne année, une vie à chaque instant. Car oui, chers amis, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Seigneur, et de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Alors célébrons ensemble cette nouvelle année, cette espérance qui s'annonce, cette lumière qui avance. Chantons ensemble le cantique Alléluia 31-14, Aube nouvelle.
Ami des hommes, lumière du monde, sauveur béni, voilà des titres que nous te donnons, Seigneur. Sois toi béni, sois loué par nos cœurs et nos langues. Tu es un refuge solide, un abri sûr, tu es bonté qui exclut toute méchanceté. Tu pardonnes et tu relèves, tu peux réaliser l'impossible. Tu atteins l'inaccessible, sois loué, Seigneur. Tu es parole qui crée, route de vie. Tu es un guide vers un monde d'amour, de paix et de justice. Tu es un soutien dans nos marches vers la lumière. Tu donnes confiance et tu n'abandonnes personne. Sois loué, Seigneur. Tu es cette lumière qui vient et qui transperce toutes les obscurités. Tu es dans les rencontres étonnantes que nous faisons. Tu es dans les sourires que nous croisons. Tu es dans les gestes d'amour que nous recevons. Sois loué, Seigneur. Amen. Poursuivons notre louange en chantant le cantique 31-22. Quand s'éveilleront nos cœurs ? Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'éveilleront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre. Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Comme nous l'avons chanté, cette aube nouvelle annonce un monde nouveau. Des vies nouvelles, pleines d'espérance et de joie du lendemain. Cette aube, elle est toujours nouvelle, car elle vient encore et encore dans le monde et dans nos vies. Alors Seigneur Jésus, nous te le demandons. Prépare-la, cette aube nouvelle, ce chemin de ton retour. Prépare-le dans le désert de nos cœurs. Ces collines d'orgueil, abaisse-les avec ton humilité. Ces vallées de désespoir, comble-les par ton espérance. Ces chemins tortueux des mensonges, redresse-les par ta vérité. Ces hivers de tristesse, remplis-les de ta joie. Ces maisons de peur, change-les en parvis d'amour. Oui, Seigneur, aide-nous à préparer cette nouvelle aube,
Aide-nous à entreapercevoir ta gloire, ton amour, dans le visage de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, toi qui te tiens à la porte de nos vies, toi qui permets de nous décentrer, de changer notre regard sur le monde, toi qui es si proche, nous t'en prions. Dépose dans nos cœurs resserrés ton trésor d'amour, de paix et de justice. Amen. Et frères et sœurs, chantons ensemble le cantique dont j'aime l'Éternel, « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Dieu est amour, il est notre secours, il est vérité qui rend libre, libre des asservissements, des convoitises du monde, libre de nos propres désirs et de toutes nos culpabilités. Dieu nous rend libres, libres pour aimer et accepter d'être aimés, pour pardonner et accepter d'être pardonnés. Par Jésus-Christ, toutes nos errances nous sont pardonnées. Par le Saint-Esprit, une vie nouvelle nous est accordée. Alors que Dieu notre Seigneur inscrive ainsi dans chaque cœur l'assurance de son pardon, l'espérance de cette liberté offerte déjà, pour que nous puissions construire avec lui son royaume. Amen. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi.
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, nous voici rassemblés dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir. Apprends-nous à marcher avec toi. Ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Et nous ouvrons nos Bibles et dans l'évangile de Marc 13, du chapitre 24 au chapitre 27. Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, ceux qu'il a choisi. Nous poursuivons notre lecture, toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et commande au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire pour nous le sentier. Je vous invite à présent à ouvrir vos cantiques dans l'Alléluia, cantique 31-32, cantique de circonstance, ils ont marché au pas des siècles. Écoute, écoute, sur tous les...
Veillez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Voici ce que déclare Jésus à ses disciples. Voici à quoi il les encourage, à veiller. Dans ce passage de l'Évangile selon Marc, l'enseignement de Jésus emploie des termes bien apocalyptiques, à l'image finalement des remous de son temps. À l'époque de la rédaction, la Judée est traversée par des temps de crise profonde, guerre, famine, tremblement de terre, massacre. Ce temps de crise atteindra son paroxysme lors de la destruction de Jérusalem et de son temple. Alors dans ce contexte, les uns appellent au soulèvement du peuple, à sa révolte. Les autres voient dans ces événements les signes de la fin des temps, la fin du monde, la fin d'un monde. D'autres encore tentent de sauver les pierres qui restent de ce monde. Certainement le sujet est sur toutes les lèvres, dans toutes les bouches. Certainement que la question de ce qu'il y aura après, la question de ce qu'il se passe, occupe toutes les maisons. On discute de si c'est bien les temps derniers qui sont venus. Et c'est en toute logique que nous retrouvons ces questionnements dans ces paroles-là, rapportées, qui sont mises dans la bouche de ses disciples, qui questionnent aussi Jésus sur le sens des événements. Veillez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Et comme le fait presque à chaque fois finalement, Jésus, encore une fois là, décale la question dans sa réponse. Non, contrairement à d'autres personnalités de son époque, contrairement à d'autres courants, il ne convoque aucune référence précise sur des faits présents ou à venir. Il ne formule pas de prophétie ni ne donne date et heure de leur réalisation. Ce qu'il décrit là ne ressemble à rien d'autre que l'histoire propre de l'humanité qui bégaye, qui se répète. L'histoire de cette humanité qui est marquée par la détresse et le malheur. La réponse de Jésus ne relève pas de l'histoire des humains. Il ne parle pas d'une transfiguration du monde provoquée par les êtres humains. Non. Elle est renouvellement du monde amorcé par le Fils de l'homme lui-même. Alors dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question du temps, le texte utilise trois mots grecs différents, là où le français n'a qu'un seul mot, le temps. Il y a le temps chronos, il s'agit de la durée, de la période, au sens technique du terme. Le temps chronos, c'est le temps qui passe. Le temps de nos montres, le temps de nos calendriers, le temps chronologique. Il y a le temps aion, il s'agit du cycle, d'une phase, c'est le temps des saisons, les générations. Et puis, il y a le temps kairos, littéralement, le moment favorable, le moment opportun. C'est l'instant où tout bascule, où la situation change du tout au tout, où l'on passe du sombre à la lumière, du désespoir à la joie. C'est le moment où l'issue saute aux yeux de celui qui ne voit que des portes fermées. Alors que le chronos et l'aïon font référence alors à une quantité de temps, le kairos, lui, parle de qualité de l'instant. Le kairos surgit dans le temps, dans la chronologie de nos existences, dans nos cycles. Le kairos surgit pour tout bouleverser. Alors lorsque les disciples interrogent Jésus sur le temps qu'ils vivent, les disciples veulent savoir si le cycle se termine, si la chronologie va s'arrêter. Et Jésus, dans sa réponse, souligne qu'ils ne pourront jamais savoir quand le moment du basculement arrivera,
quand le Kairos entrera dans leur vie. Au lieu de répondre en donnant un jour, une heure précise, il les invite à veiller, à chasser le sommeil. Il les invite à guetter à chaque instant cet événement du basculement qui pourrait surgir, ce Kairos dans la nuit qui apporte l'espérance. Veiller, guetter, faire le guet, veiller non pas de manière passive, mais veiller activement, tout de suite. Voilà ce à quoi Jésus les invite, voilà ce à quoi il nous invite encore aujourd'hui, ici et maintenant. Veiller, guetter ce Kairos dans nos vies. Il ne s'agit pas d'avoir peur de ce qui pourrait se passer. Il s'agit de ne pas craindre l'histoire avec un grand H. Il ne s'agit pas de réveiller les autres, de les forcer à changer, non. Il s'agit avant tout et pour tout qu'individuellement, nous ne soyons pas celui ou celle qui dort, celui ou celle qui n'attend plus rien du monde et de la vie, celui ou celle qui est abattu, sans plus aucune espérance en l'avenir. Le Christ nous invite individuellement à veiller, à rester éveillé, à garder espoir face aux turpitudes du monde, à garder les yeux ouverts, à chercher la lumière dans l'obscurité, quand bien même la nuit serait très sombre, à garder les yeux ouverts, à scruter le monde et les événements pour capter ce temps, ce moment, ce kairos. Ce moment qui, comme en un éclair, illumine tout, bouleverse tout, change tout. À l'époque de Jésus, à l'époque où le texte fut rédigé, la Judée vivait un temps de crise. Aujourd'hui, nous aussi, nous en vivons un. Un temps de crise qui ne cesse de durer. À chaque fois que l'on se dit que cette crise va se terminer, que le cycle, l'aïon, va se terminer, voilà que la crise repart de plus belle. Au point que finalement, on aimerait bien savoir quelle est la date et l'heure de la fin de cette crise qui dure. Alors comment ne pas se retrouver dans ces disciples qui demandent à Jésus quand ça va se terminer? Pour nous aussi, aujourd'hui, il est bien difficile de ne pas se faire engloutir par ce chronos, par ce temps chronologique. Tout s'enchaîne. Nous courons après les tâches, nous subissons le temps et les événements, nous n'arrêtons pas de nous adapter. Tout s'enchaîne à tel point que parfois, l'espoir semble s'échapper, disparaître lui aussi du tableau de la situation. Et pourtant, à y regarder de plus près. Qui, dans sa vie, n'a jamais expérimenté ce fameux kairos? En relisant les événements dans nos vies, en regardant en arrière, il y a toujours la possibilité de voir les choses autrement, de voir les événements sous un autre regard. Et c'est alors que le kairos, le moment d'espérance, nous apparaît comme une évidence. Cet instant charnière où notre quotidien est basculé. Cela peut être une rencontre, un événement, un livre, une musique. Ça peut être aussi une pensée, ou tout simplement un sentiment. Des kairos, chers amis, nos vies en sont remplies. Ils ne demandent qu'à être vus, qu'à être observés, qu'à être savourés. Pour les voir, il nous faut les chercher. Pour ne pas les manquer, il nous faut les guetter, car oui, nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Cela pourrait être le matin, l'après-midi, le soir et même la nuit.
pour les savourer, il nous faut prendre ce temps de veille, le temps de les guetter. Ainsi le Christ nous appelle à écouter, à discerner, à ouvrir grand les yeux pour ne pas en rater un de ces moments-là. Il nous appelle aussi à les partager, ces kairos, pour que nul ne soit tenté d'arrêter de les guetter dans sa propre vie. Veillez activement, chers amis, c'est un acte de foi. Ou peut-être c'est tout simplement et en premier lieu un acte de confiance en cet autre, qu'il soit humain ou divin. Car qui se mettrait à la fenêtre pour guetter une lumière dans la nuit si au fond de lui-même il n'avait ne serait-ce que juste un tout petit peu l'intuition que possiblement une lumière allait apparaître. Mais c'est un peu comme l'œuf et la poule. Faut-il croire pour se mettre à guetter ce kairos, ou c'est en captant ce kairos à l'insu de notre plein gré que l'on se mettrait à croire? Ou encore, peut-être parce que c'est cet autre qui nous en a raconté un dans sa vie et nous a donné envie de regarder dans la nôtre. Pour relire les événements de nos vies, faut-il déjà savoir qu'il y a un kairos à trouver? Ou le kairos peut-il s'imposer à notre relecture et nous pousser à en chercher d'autres encore et encore? En cette fin d'année civile, en ce début d'année liturgique, nous entrons dans le temps de l'Avent. C'est un temps où nous sommes appelés à nous préparer à Noël. Il est le temps de l'attente, l'attente de la naissance du Christ. Car finalement, cette naissance n'est-elle pas aussi un kairos dans l'histoire de l'humanité? Cette naissance n'est-elle pas ce moment de basculement où l'espérance entre dans ce monde de détresse? Le Messie était attendu, mais nul ne connaissait ni le jour ni l'heure de sa naissance. Et nul ne connaissait non plus l'ampleur, le bouleversement de sa tâche pour l'humanité. Mais certains ont veillé, certains ont vu et ont témoigné. Peut-être pas le jour J, certainement bien après avoir relu les événements, mais n'empêche ce kairos, ils l'ont vu. Ce kairos, on nous l'a raconté et on le raconte encore aujourd'hui. Et c'est là tout le paradoxe de l'Avent pour nous, aujourd'hui et maintenant. Préparer la fête d'une naissance dont nous connaissons déjà la date. Une naissance déjà passée. Et en voici un autre de paradoxe. Fêter l'Avent, c'est entrer dans un temps pour nous remettre à veiller, à guetter les kairos dans nos vies. Mais entrer dans ce processus, n'est-ce pas déjà veiller? Alors quoi faire? Quoi faire de plus? Quoi faire d'autre pour ces 4 semaines? Ambre et Jonas ont allumé pour nous la première bougie de la couronne de l'Avent. Alors il est bien difficile de déterminer l'origine de cette tradition. Mais ce qui est certain, c'est que cette couronne convoque plusieurs symboles. La couronne, symbole de la victoire à venir. La couronne, couronne d'épines, qui s'est transformée en couronne de vie et de résurrection. Le vert, couleur de l'espérance à venir. Le rouge, couleur de la vie. Les bougies allumées une à une, la lumière qui augmente au fur et à mesure, symbole de la lumière que le Christ apporte au monde lors de sa venue, symbole de l'espérance qui gagne petit à petit sur l'obscurité. 4 bougies pour 4 semaines d'attente et de préparation. 4 bougies pour 4 évangiles aussi, 4 manières différentes
de raconter l'histoire de Jésus-Christ. Quatre bougies pour quatre points cardinaux, afin de rappeler que son œuvre touche toute la terre et que le Christ revient de partout. Par sa symbolique, cette couronne annonce l'événement à venir, son attente, autant qu'elle raconte ce qu'il s'est déjà passé. Oui, l'avant signifie ce qui doit venir, et il signifie aussi ce qui est en train de venir. Le Christ est venu une fois, il y a 2000 ans. Mais le Christ continue aussi de venir dans nos vies aujourd'hui. Il entre dans nos quotidiens par ses temps d'exception, par ses kairos. Il y a autant de manières de parler de ces temps d'espérance aujourd'hui qu'il y a de témoins. Hier, nous avons quatre évangiles qui témoignent de l'œuvre du Christ. Quatre témoins hier. Aujourd'hui, c'est des millions qui témoignent de ce que le Christ est et fait pour eux, ici et maintenant. Le temps de l'Avent nous appelle à rester éveillés, à guetter, non plus une naissance, mais ce kairos-là dans nos vies. Nous sommes comme des enfants qui apprennent toujours et encore à marcher. Nous n'avons jamais fini de savoir et d'apprendre comment veiller. Et parce que l'être humain oublie trop facilement, parce que l'être humain a besoin de rites dans sa vie. Le temps de l'Avent est là, année après année, pour nous rappeler l'importance de cette veille active. Attendre pour attendre ou veiller juste pour veiller, c'est le meilleur moyen de rester bloqué dans l'attente ad vita aeternam. Alors oui, il est bon de connaître l'histoire de Jésus. Elle est même certainement nécessaire pour nous aider à veiller. Mais il est bon aussi de se tourner vers le présent et l'avenir, pour scruter ces moments d'espérance aujourd'hui et demain. Il ne s'agit pas d'attendre simplement, mais plutôt d'échanger les uns les autres, de discerner seuls et ensemble, d'observer, bref, de rester actif dans la veille, pour ne pas s'endormir sur ce que l'on sait déjà, sur ce qui s'est déjà passé. L'avant entraîne nos regards vers l'arrière, vers les traces laissées sur le chemin. Mais l'avant entraîne aussi notre regard vers ce qui vient au-delà, pour que nos cœurs se réjouissent et que l'espérance nous porte dans le présent. Alors, chers amis, ne restons pas bloqués dans l'avant-veille, mais veillons au-devant. Amen. Thank you.
proclamons notre confession de foi. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire. Il a créé le monde, il a fait de l'être humain son vis-à-vis et son associé. Il est engagé avec nous dans l'aventure humaine. Je crois en Dieu qui vient avec nous avec amour. Il ne nous a pas abandonnés à notre révolte, à nos enfermements. En Jésus, il a partagé notre humanité et porté nos péchés. En Christ, il a vaincu la mort. Il nous a rendu l'espérance. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Jour après jour, il est présent parmi les êtres humains. Dans son Église, par son Esprit, pour apaiser nos craintes, guider nos hésitations, affermir notre foi, animer nos vies et nos actes. Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. Et nous pouvons ouvrir nos cantiques dans l'Alléluia, le 31-29. Peuple qui marchait dans la longue nuit. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu vient lui-même vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu vient lui-même vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane dans vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour qui marchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Voici le temps des annonces. Alors, catéchisme, école biblique continue, tout comme le groupe étudiants et jeunes actifs, les études bibliques et toutes les autres activités qui ont décidé de reprendre. Pour tout savoir, savoir où aller, quand se connecter, quoi faire, il n'y a qu'une seule chose, s'inscrire à la newsletter de l'Église protestante unie de Montpellier et agglomération. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site internet de l'Église et vous trouverez, sur la droite de la page, un lien pour s'inscrire. Ainsi, vous serez au plus près de l'information. Le temps de l'Avent est un temps pour se préparer. Un temps pour préparer Noël, un temps pour se mettre ou se remettre en veille.
Et en ce temps de l'Avent, la pastorale vous a préparé une surprise. Un podcast audio et vidéo vous sera offert tous les jours, du lundi au vendredi, tous les matins, de ce dimanche exceptionnellement, lundi, et jusqu'à Noël. Il vous sera offert par les pasteurs James Woody, par moi-même, Emeline Daudet, ainsi que, évidemment, on n'a pas pu résister, plein d'invités surprises. Le nom du podcast, Ephata, qui veut dire « ouvre-toi ». Son invitation, prendre 2 minutes chaque jour, du lundi au vendredi, pour prier. Vous le trouverez sur le site de l'Église et très certainement aussi sur la chaîne YouTube de l'Église. Les cultes, pour le moment, ne reprendront pas en présence, mais encore une fois, dès que nous le déciderons, nous ne manquerons pas de l'envoyer et de le transmettre dans la newsletter et de vous le signaler peut-être par téléphone, si vous avez les visites par téléphone. Car les pasteurs, mais aussi les engagés de l'Église, se tiennent à votre disposition. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de quelqu'un pour prier, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous solliciter. Un grand merci aux musiciens et aux musiciennes. Un grand merci aux lecteurs, aux techniciens, sans qui ce culte n'aurait pas pu se faire. Ce culte a été préparé en collaboration avec le groupe étudiant Jeunes Actifs, avec le Caté et l'école biblique pour les cantiques que nos jeunes connaissent ou ont appris ces derniers temps. Alors, merci à vous toutes et tous. Ainsi, nous pouvons, jour après jour, faire communauté ensemble. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est vous. C'est une communauté qui est appelée à se rassembler régulièrement, mais aussi à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Tout y est gratuit dans cette Église, tout. À l'image de la grâce de Dieu dont elle annonce le message jour après jour. Mais pour porter ce message, il faut des hommes et des femmes, des lieux, du matériel. Et tout cela a un coût, encore aujourd'hui, et oui. Et l'Église ne vit que de dons. Alors vous l'aurez compris, c'est le temps de l'offrande. Aujourd'hui, l'offrande va se faire à distance, encore une fois. Alors peut-être que certains ont commencé une enveloppe où ils glissent dimanche après dimanche un billet ou quelques pièces. N'hésitez pas à le faire et le jour où nous aurons la joie de nous retrouver en vrai, vous pourrez le glisser dans le panier à offrande ou le donner au trésorier préféré de votre secteur. Vous pouvez aussi envoyer les chèques, faire des virements sur le site du National ou sur le site de l'Église protestante unie de Montpellier. Et puis l'Église, la communauté, c'est aussi prier les uns pour les autres. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, aujourd'hui, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique comme sauveur sur nos routes humaines. Sur nos routes où tant d'hommes et de femmes, tant d'enfants sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Nous te prions pour les démunis, les délaissés, les marginalisés de nos sociétés, pour les opprimés, pour les victimes de violences. Nous te prions aujourd'hui plus particulièrement pour toutes celles et ceux qui, de par le monde, voient leur vie renversée, mise en danger, voire même détruite par la pandémie et ses conséquences sociales et économiques. Permets, Seigneur, que dans leur route sombre, ces hommes et ces femmes puissent voir cette lumière qui avance et sentir ce souffle de vie nouveau. Nous te prions pour celles et ceux qui sont, selon leurs responsabilités, qui œuvrent
en ce monde pour apporter justice et paix. Donne-leur de ne jamais perdre l'espérance. Nous te prions pour celles et ceux qui perdent espoir, qui baissent les bras. Redonne leur courage, Seigneur. Seigneur, permets que le monde puisse entrevoir ces moments où tu fais toutes choses nouvelles, où, essuyant toutes les larmes de nos yeux, ton royaume d'amour et de paix touche les cœurs. Et parce que parfois nous ne trouvons pas les mots pour te formuler nos prières, c'est ensemble, Seigneur, que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans un atelier d'écriture pour reformuler les psaumes avec des mots nouveaux, voici le texte qui a été écrit que j'aimerais vous partager pour l'envoi. Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi, toi, toujours plus en avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Conduis-moi, toi, toujours plus en avant, par la lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée. Conduis-moi, douce lumière, conduis-moi toujours plus en avant. Alors, frères et sœurs, pour ce jour, pour ce temps de fête et pour toute cette année qui s'annonce, que la lumière de Dieu soit sur vous. Que la lumière de Dieu soit sur vous. Oui, que la lumière de Dieu soit sur vous. Amen. Et finissons ce culte en chantant ensemble, dans le Alléluia, le 31-04, « Après la longue attente ». Bon dîner.
les arbres.